Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la RTVC si vous nous rejoignez en ce moment. C'est l'heure du Koumé News. L'actualité cette semaine est marquée par la poursuite au quartier général du camp biblique international des jeunes en cours depuis le 21 août dernier. Parvenu à mi-parcours, un bilan sommaire du ministère de la Parole et des activités annexes vous sera donné dans la suite de ce journal. Autre information qui sera développée dans ce journal, c'est la fin de la tournée du ministère du pasteur Théodore Andossi dans la nation camerounaise pour aider les églises à décoller avec la phase 3 de notre œuvre. Voici donc pour vous, chers téléspectateurs, quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Restez connectés pour la suite. "42 lieux de ministère en 32 jours avec plus de 15 000 croyants ayant reçu ministère." Ce sont donc là quelques-uns des chiffres du travail accompli par le frère Théodore Andossi et son équipe qui ont parcouru un peu plus de 9500 km à travers la nation camerounaise pour aider les églises à décoller avec la phase 3. La dernière étape donc de cette tournée a ciblé quelques centres chrétiens dans la ville de Bertois et ses environs. Rétrospective en images. La semaine du 14 au 20 août dernier a donc marqué la fin de la tournée du ministère du frère Théodore à travers la nation, qui a fini par la visite de quelques centres chrétiens situés dans la ville de Bertois et ses environs. La ville de Belabo a donc été la première de cette série à accueillir le leader dans un hall qui a été préparé et embelli pour la circonstance. Ici étaient rassemblés les saints du centre de Belabo et ceux de la ville de Nangaeboko. Après l'accueil du frère Théodore en louange suivi des comptes rendus, la parole a été passée au leader qui a tout d'abord félicité les frères pour la beauté du hall. C'est donc conduit par l'esprit que le frère Théodore Andossi a procédé à une démonstration pratique du fait que notre vraie richesse, ce sont les hommes. Il a ajouté que tout ce que Dieu cherche dans le monde, ce sont les hommes et chacun de nous est un trésor de Dieu sur la terre. Même les bandits, a-t-il ajouté, sont les diamants de Dieu qui ont été dénaturés. Nous devons donc les arranger par l'évangile et les offrir à Dieu. Rappelant par la suite le but de sa visite, il a exhorté les saints à impliquer les autres dans leur travail, révélant ainsi le besoin de recruter de nouveaux ouvriers, sans manquer de préciser que dans le travail de Dieu, on a besoin des hommes, car au travers des autres, on accomplit beaucoup plus que ce que l'on peut faire seul. Après ces paroles et bien d'autres, le frère Théodore et son équipe, après un court moment de communion autour d'un repas, ont pris le chemin retour pour la localité de Bouam, où les saints des centres de Bouam et de Ndjang étaient rassemblés. Bouquet de fleurs et pas de danse, c'est en joie que les saints ont accueilli leurs dirigeants. Après un chant d'accueil spécialement composé pour le frère Théodore, suivi des comptes rendus, la parole a été passée au leader qui, selon le besoin discerné localement, a exhorté à susciter les dirigeants car, a-t-il ajouté, le nombre de dirigeants va déterminer ce qu'on va garder comme converti sur la grande moisson que Dieu va nous donner. Et celui qui n'a pas des hommes aura peu de résultats, même s'il travaille beaucoup. Le lendemain, c'était au tour de la localité de Nkempon, située à quelques kilomètres de Bertois, de recevoir le leader. Après la louange et les réjouissances en langue locale pour la plupart et la présentation des comptes rendus, le frère Théodore Andossi, prenant la parole, a procédé à un petit exercice, invitant chacun des dirigeants qui a été présenté à aller dans la salle et choisir quelqu'un parmi les frères qu'il va s'assurer de bâtir pour en faire un dirigeant. Après un ministère de guérison rendu au saint, suivi de la présentation et de la lecture du message de Bertois, c'est à partir du livre de 1 Corinthiens chapitre 16 verset 10 à 18 que le frère Théodore a relevé le fait qu'il existe trois types de co-ouvriers. Les co-ouvriers du genre de Timothée qui étaient à la base et que l'apôtre Paul pouvait envoyer régulièrement dans les localités visiter les églises car étant disponibles. Ceux qui, comme Apollos, viennent du quartier général quand ils veulent pour visiter les églises, et les dirigeants locaux qui portaient l'œuvre sur place. Criant au Seigneur, le frère Théodore a plaidé que Dieu nous donne davantage de dirigeants locaux, tout en remerciant le Seigneur pour ceux qui étaient déjà disponibles. Le dimanche 16 août, c'était au tour des centres de Tindama et de Tigaza de recevoir le leader dans des halls colorés avec des murs particulièrement parsemés d'affiches remplis de messages et de prophéties. À Tindama, après un accueil chaleureux du leader et les présentations des jeunes enfants profil, c'est à partir de Jean chapitre 3 verset 16 que l'orateur, prenant une approche différente,
a présenté deux aspects de l'amour de Dieu pour amener les dirigeants à travailler non à partir des contraintes extérieures, mais par amour. Premièrement, il a relevé que l'amour de Dieu est un amour qui donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Deuxièmement, l'amour de Dieu est aussi un amour missionnaire, car par amour pour le monde, Dieu a envoyé son Fils pour sauver les hommes. Ainsi, depuis Adam, Dieu n'a cessé d'envoyer des missionnaires aux hommes. Ramenant cela à nous, le frère Théodore a ajouté la vérité selon laquelle tout parent qui n'a pas donné un fils au monde pour apporter le salut aux hommes n'a pas l'amour de Dieu et a échoué dans son amour pour Dieu. Du côté de Tigaza, après un accueil par une haie de jeunes gens tenant des palmes à la main et des prouesses musicales de la chorale et du dirigeant de centre, le frère Théodore a enseigné une fois de plus, insistant sur le besoin de susciter les dirigeants, exhortant les dirigeants en place à faire de la place pour les autres et à travailler au meilleur de leur performance, car, a-t-il ajouté, chacun ici a un grand potentiel et la plupart n'a pas encore atteint le dixième de son potentiel. Le lundi 17 août, c'était au tour de la province spirituelle des universités branche de Berthois de recevoir le leader. Ici, le frère Théodore revenant sur l'engagement des jeunes de porter sur eux la responsabilité de l'accomplissement du but de la phase 3, a exhorté les dirigeants présents à rendre l'excellence spirituelle ordinaire dans notre ministère comme l'or l'était au temps du roi Salomon, afin que viennent des jours dans notre ministère où des milliers de personnes seront des dirigeants de milliers. Des jours où le moindre d'entre nous sera l'équivalent du roi David et le plus grand comme un archange. Par la suite, à partir du livre des Nombres, il a relevé le fait que Dieu avait donné à Moïse des tâches impossibles et lui a donné des hommes consistants et capables pour accomplir ces choses impossibles. Il a par la suite ajouté que nous avons besoin d'une sorte de banque de données des dirigeants de qualité supérieure, car il y a beaucoup de postes vacants dans la vie des dirigeants existants dans notre ministère et nous avons besoin d'assistants compétents, loyaux, intègres et libres de toute ambition. Rendu en soirée au centre du cours biblique par correspondance, le leader a rappelé le fait que notre plus grande richesse, ce sont les hommes. Appuyant ses propos à partir du livre de 2 Chroniques chapitre 21 verset 1 à 19, il a relevé le fait que le ministère d'un homme se ramène au nombre de dirigeants qu'il a produits, car c'est sur la base des dirigeants produits que Dieu nous donne des responsabilités dans le ministère et la part de chacun dans notre vision sera proportionnelle au nombre de dirigeants produits, car, a-t-il ajouté, le leadership dans le ministère, c'est la performance. Mardi 18 août, c'était autour du centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu, du centre de Colbicon et du centre de Mokolo de recevoir le leader. Le matin, ce sont les centres expérimental et de Colbicon qui ont reçu le leader au hall de 5000 places du quartier général. Ici, le leader a présenté un test simple de mise en évidence de l'appel de Dieu. La liberté est donc l'ultime test de maturation, car c'est là qu'on voit les chaînes qui ont lié quelqu'un à l'intérieur, car l'appel de Dieu, c'est une pression qui vient de l'intérieur et la liberté expose ce qui est intrinsèque. Lorsqu'on laisse un terrain en jachère, on voit l'herbe qui se trouve effectivement dans ce sol, a ajouté le leader. Du côté du centre de Mokolo, le frère Tedon, après la présentation du programme de croissance par le frère Alphonse Tawet, a enseigné sur le fait de perdre les hommes à partir du livre de 2 Timothée chapitre 4 où il a ressorti trois catégories de co-ouvriers. Les co-ouvriers qu'on perd à cause de l'amour du monde qui les rend indisponibles, les co-ouvriers qui, ayant trouvé leur place dans l'œuvre, sont tellement absorbés par leur département au point d'oublier leurs dirigeants. Ceux-ci sont perdus à l'œuvre. Les co-ouvriers que l'on perd au service et les co-ouvriers de l'ombre qui ont refusé de se faire un nom pour servir dans l'ombre auprès du dirigeant. Finalement, un dirigeant sans les hommes, même ayant réussi dans l'œuvre, va finir dans le désillusionnement et la solitude. L'œuvre peut réussir et le dirigeant qui a fait réussir cela est solitaire. Le mercredi 19 août, avant-dernier jour de la tournée, la zone de Sambi regroupant les centres de Mandjou et Bambouti a été visitée le matin et le soir, c'était autour du centre d'élevage. Ici, tout comme à élevage où le leader a été accueilli de façon spéciale, le frère Tedon a exhorté sur le besoin de susciter et nous donner des dirigeants pour notre vision, insistant à élevage sur le danger de réussir seul sans amener les autres à faire le même pas que nous. Ainsi, on ne peut pas avoir de grands effectifs sans avoir beaucoup de dirigeants qui sont productifs. Jeudi 20 août, dernier jour de la tournée,
Les sangs de Dimako et de Koumé sont dans les derniers de ce long périple. À Dimako, le frère Tedor a relevé que l'un des plus grands problèmes des dirigeants, c'est qu'ils ne valorisent pas leurs gens et quittent pour aller chercher des conviés ailleurs, négligeant et méprisant ceux qui sont proches. Il a ajouté, tout ce que Dieu nous a donné en une place et font partie de notre million de faiseurs de disciples. À partir de Néhémie chapitre 2, versets 11 à 18, le frère Tedor a expliqué qu'il y a deux choses qui doivent caractériser notre travail. Le travail préliminaire du dirigeant sur le terrain qui lui donne de l'avance sur les autres et le travail de direction, le travail que le dirigeant va donner aux autres en les mobilisant. Le leadership dans ce cas, c'est le nombre de personnes que l'on mobilise pour faire le travail. Dans la soirée, le centre de Koumé a marqué donc la fin de la tournée. Après beaucoup de célébrations par la louange du bras de l'Éternel qui a donné la victoire, la présentation et la lecture du message de Berthois a été suivie d'un compte rendu sommaire des moments forts de la tournée du leader et son équipe rendu par le frère Sama Israël. Par la suite, le leader à partir du livre d'Apocalypse chapitre 14 verset 1 à 5 a conclu sa tournée en enseignant sur comment produire les dirigeants à partir de l'étude des 144 000 compagnons de l'agneau, relevant ainsi le besoin pour un dirigeant de s'entourer de co-ministres. On forme les dirigeants non par l'enseignement, mais en les absorbant dans sa vie, en cheminant avec eux. Pour le Seigneur Jésus a-t-il ajouté, ceux qui étaient ses disciples étaient ceux qui, par leur propre volonté, l'ont suivi partout où il allait, cheminant avec lui. Suivant ce modèle, si on veut former les dirigeants, on doit avoir des compagnons, des gens qui cheminent avec nous dans notre être et notre ministère. La gloire d'un dirigeant est donc finalement la quantité de gens qui sont comme lui, qui connaissent son histoire et qui peuvent rendre ministère comme lui. C'est là l'échec de plusieurs dans la formation des disciples, a ajouté le leader. Après ces paroles et bien d'autres encore, le leader a donné quelques directives pour la consolidation du travail accompli durant cette tournée de ministère avant de prendre congé de son peuple. Le bilan sommaire de la tournée fait donc état de 44 lieux de rencontre visités en 32 jours, de plus de 15 000 personnes ayant reçu ministère, et plus de 9500 km parcourus en voiture tout au long de cette tournée, sans oublier une rencontre spéciale avec 92 chefs de village à Koumé, ce qui représente 92 villages pénétrés à partir de Koumé, car un chef gagné, c'est un village pénétré et conquis. À Dieu soit donc toute la gloire pour cette grande victoire, lui qui fait bien toutes choses, et puisse-t-il protéger l'impact de cette tournée et la rendre fructueuse pour sa gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Il faut donc noter que durant cette tournée du leader, le constat évident en écoutant les actions de grâce et les témoignages est que la bonté de Dieu pour son peuple est grande. Notre reporter Yassine Bekolo nous donne donc dans ce reportage un morceau choisi de quelques-unes des bontés de l'Éternel manifesté envers son peuple et envers notre ministère. En marge de la tournée du frère Tudor dans les provinces spirituelles du Cameroun, que ce soit pendant les actions de grâce ou pendant les sessions de témoignage, un constat se dégage. Les frères étaient joyeux d'accueillir le leader et Dieu a abondamment béni les frères qui ont fait des chants et dans certaines localités, les frères ont béni le ministère. À Yaoundé notamment, le Seigneur a béni la PSU Yaoundé avec une école de gagneurs d'âmes et d'évangélistes. Ils ont été enseignés pendant 6 jours par le pasteur Jean-François Edogué, notre missionnaire au Mali, et ils ont reçu la détermination d'aller prêcher l'évangile et d'accomplir le but de la phase 3. Ils étaient 130 participants, ils ont constitué 20 équipes et en 6 jours, ils ont prêché l'évangile à plus de 54 400 personnes et 1109 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. 17 280 traités ont été distribués. Dans la province spirituelle du Mbam, les jeunes du Mbam se sont engagés à être des Judas. En effet, en mars dernier, ils ont décidé, conjointement avec la sœur Alice, d'implanter 10 assemblées de maisons chaque mois dans la province spirituelle du Mbam. Ils se sont engagés ainsi à accomplir 70% du but de la phase 3 dans la province spirituelle du Mbam, soit d'implanter 7000 églises de maisons. Après la convention, un constat s'est dégagé dans la province spirituelle du Mbam. Les frères du Mbam ont commencé à donner à Dieu plus que par le passé. La sœur Alice Nia ne nous dira pas le contraire. Et en février, c'était une somme de 65 000. En février,
Et depuis ce jour-là, en mi-janvier, en 6 janvier, on n'a jamais descendu à moins de 500 000. We have never dropped at least to 500,000. Le couple Tchioni, toujours dans le MBAM, a offert un terrain à la base de l'œuvre Abafia. En effet, ils ont décidé d'offrir à Dieu 1 hectare de terrain. Le frère Théodore et le peuple de Dieu les ont bénis pendant cette visite. Dans le sud-ouest, le Seigneur a gardé les frères malgré la crise anglophone et la pandémie du coronavirus. Le Seigneur a protégé les frères en déplacement. Ensuite, toujours au sud-ouest, le Seigneur a béni cette région avec beaucoup de pluie, ce qui fait que les marchés sont remplis de vivres et de provisions. À Bafoussam, les frères sont venus de la province spirituelle du Dongamantou et de la province spirituelle du Nord-Ouest. Dans la province spirituelle du Dongamantou, le frère David Chou a lancé 2 sessions de jeûne de 40 jours. La deuxième session de jeûne de 40 jours s'est achevée et 43 personnes ont jeûné 40 jours complets et plus de 1500 personnes ont jeûné de 3 à 28 jours complets. Dans cette dernière session de jeûne, les enfants ont jeûné, les jeunes ont jeûné, les adultes ont jeûné et la chose surprenante c'est que 2 jeunes de 15 ans ont jeûné 40 jours pour la première fois. Toujours dans le Dongamantou, le Seigneur leur a permis d'ouvrir 2 points de vente pour la distribution de la littérature dans la province. Ils ont suscité 2 couples missionnaires nationaux et 1 couple missionnaire pour le quartier général. L'école ZTF a été ouverte là-bas le 1er décembre 2019 et elle est en train de continuer. Nous faisons un tour dans la province spirituelle du Sud où le frère Richard rend témoignage d'une sœur qui a été guérie du VIH-Sida. Quand elle a bu, elle était séropositive. Et je lui ai rendu ministère. Entre temps, elle a conçu. Et dernièrement, elle a fait les tests. Elle dit que son cœur battait. Elle partait prendre les résultats. Elle me dit que pas ceci, elle était dit. C'est sorti négatif. Amen. En passant par Yaoundé, le frère Jacques Yougan nous livre les dernières nouvelles de Yaoundé. Depuis l'année, nous nous sommes engagés dans l'implantation des églises. Et au 30 juin, nous avions implanté 148 assemblées de maisons. À l'est et particulièrement en banc, plus de 500 personnes étaient rassemblées dedans et hors de la salle pour écouter le leader qui a fait un tour dans cette localité. Et toujours pendant cette visite, le frère Tédor a demandé qu'on prie que le Seigneur nous bénisse avec 10 hectares de terrain dans la ville de Mban pour bâtir une mini-base, un mini-koumé ou alors un koumé Mban. Et après la prière, une grand-mère s'est proposée d'offrir au ministère ces 10 hectares de terrain. Voilà quelques points saillants et quelques bénédictions que Dieu a fait lors de cette tournée du frère Théodore dans les 21 provinces spirituelles. Et Dieu a fait plus que ce que nous avons cité. Nous ne pouvons que lui dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ils sont un peu plus de 1300 jeunes gens réunis à Koumé quartier général pour le camp biblique international des jeunes, premier de la phase 3, il faut le dire, en cours depuis le 21 août dernier. C'est donc autour du thème « Former les enfants comme disciples » que le pasteur Théodore Andossi, orateur principal, a axé ses enseignements pendant ce camp biblique. Retour sur le message introductif de ce camp dans ce reportage. Depuis le 21 août dernier, un peu plus de 1300 jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale sont réunis à Koumé quartier général pour prendre part au camp biblique international des jeunes qui se tient alors chaque année. Le pasteur Théodore Andossé, orateur principal à ce premier camp biblique de la troisième phase de l'œuvre, a commencé par une sorte de mise à jour de la vie spirituelle des jeunes présents au travers de la prédication de l'évangile de manière détaillée. Après avoir invité le frère Antoine Kala, dirigeant des jeunes, qui lui a donné sa vie au Seigneur Jésus étant jeune, à venir donner son témoignage de conversion, le frère Théodore a poursuivi en enseignant l'évangile, amenant les jeunes à confronter l'iniquité du péché et sa mauvaise influence dans leur vie. À l'issue de la prédication de l'évangile,
environ 500 jeunes se sont réconciliés avec le Seigneur. Après cette mise à jour réussie, et dès le deuxième jour de son enseignement, le frère Théodore, endossé en bon pédagogue, a tout d'abord rappelé les objectifs qui sont en train d'être poursuivis durant ces camps, à savoir former une génération des jeunes qui seront comme une semence pour notre vision, susciter des disciples, former une génération qui va porter la vision, susciter, former et bâtir une génération qui va accomplir notre vision, la vision de Dieu, et amener chaque jeune à servir de manière distincte dans les desseins éternels de Dieu, spécialement dans cette petite partie des desseins éternels de Dieu, confiée à nous au travers du frère Zach. Après avoir formulé ses objectifs de manière à ce que tous le comprennent, il a présenté quelques modèles ou systèmes de formation des disciples dans les Écritures, à partir de l'exemple du Maître, le Seigneur Jésus, qui avait formé des disciples en 5 catégories, chaque catégorie représentant le niveau jusqu'où il devait porter des responsabilités dans sa mission. Ainsi, on a distingué le cercle intérieur constitué de Pierre, Jacques et Jean qui ont porté les clés du ministère de Jésus. Ensuite, les 12 apôtres qui étaient les dépositaires de la vision de Jésus, les 72 qui étaient des aides dans l'œuvre de Jésus, qui étaient les missionnaires que Jésus envoyait dans les localités où il devait se rendre. Ensuite, les femmes de gloire qui représentaient les ressources pour l'œuvre de Jésus, apportant l'argent et les encouragements, etc. Et les 120 qui constituaient la fondation pour le décollage de la mission de Jésus. Le frère Théodore a ensuite présenté le modèle de l'apôtre Paul dans la formation des disciples, qui avait alors dit à Timothée, le dépositaire de la vision, de faire disciples 4 générations pour garantir la continuité. Ayant calqué son travail sur le modèle de l'apôtre Paul, le frère Théodore a ramené cela dans le contexte de notre ministère. Ainsi, selon l'apôtre Paul dans 1 Timothée, la responsabilité du successeur, c'est de former 4 générations pour assurer la continuité. Dans la suite de son enseignement à partir de Matthieu chapitre 1, le frère Théodore a présenté un autre système de formation des disciples par flot de vie d'une génération à l'autre. Et après chaque génération, a-t-il relevé, le flot de vie atteignait un point culminant représentant une vague de réveil. Ainsi, dans notre contexte actuel, ajouta l'orateur, si nous commençons à faire des disciples jusqu'à 14 générations, nous serons arrivés au moment du réveil que Dieu nous a promis dans notre ministère. Et si nous progressons dans cette direction, nous serons en train de poser les bases du réveil mondial. Après avoir ainsi développé de long en large le fardeau, le frère Théodore Andossé a finalement ressorti le fardeau spécifique pour ce camp qui est de former les enfants comme disciples afin d'accomplir le but de la phase 3, le but de notre ministère. Ainsi, dans la deuxième partie de son enseignement, c'est à partir du livre de Proverbes chapitre 22 au verset 6 que le frère Théodore Andossé, à partir de plusieurs illustrations, a montré de quelle manière on peut former un enfant comme disciple. Si tu veux qu'un enfant ressemble à Jésus, carve Jesus on the child when the child is this small. Taille Jésus sur cet enfant-là quand il est encore petit. See the child as a piece of wood. Vois cet enfant-là comme un morceau de bois. As a young plant. Comme une jeune plante. If you take a small needle. Si on prend une petite aiguille. And you go and write letter A on a shoot. Et tu vas écrire la lettre A sur un rejeton. When that tree grows. Quand cet arbre-là va planter, there will be a big A on that tree. Il y aura une grande lettre A sur cet arbre-là. Every child given to us. Tout enfant qui nous est donné is a young shoot. Est un jeune rejeton. What we carve on that shoot, ce que nous taillons sur ce rejeton will mark it when it grows. Va le marquer quand il va grandir. De ces illustrations, l'orateur a ressorti le fait que chaque personne est en train d'exagérer à l'âge adulte les choses qui ont commencé à petite échelle quand il était plus jeune. Il a donc exhorté les parents, les dirigeants, les ministres, aux enfants et tous à donner des inclinaisons aux enfants dès le bas âge et cela deviendra une vie car les marques d'une vie sont façonnées dans l'enfance, a-t-il ajouté. Ainsi, les enfants doivent être marqués sur le plan spirituel, émotionnel
et sur le plan moral quand ils sont encore plus jeunes. Et ces marques vont devenir des traits de caractère distinctifs, comme ce fut le cas du frère Zach. And you see, Brother wrote a lot of books on prayer, also. Vous voyez, vous êtes rendu compte que le frère Zach a écrit beaucoup de livres sur la prière, n'est-ce pas? Why? Pourquoi? When he was small, quand il était petit, he used to wake up, il se réveillait. And when he is making water, when he warming water for his father, pendant qu'il était en train de chauffer de l'eau pour son père, he was a servant to a man of prayer. Il était un serviteur d'un homme de prière. Ainsi, si on veut marquer nos enfants, on doit tout faire pour leur montrer que Dieu signifie tout pour nous par la place que nous donnons à Dieu dans nos vies au jour le jour, a ajouté le leader. On doit pouvoir dire à nos enfants au travers de nos vies que Dieu est tout pour nous. C'est donc présenté ici un pan du message introductif du frère Théodore annoncé à ce camp biblique international des jeunes. Rendez-vous donc pour la suite de ce message dans lequel le leader nous ramène à l'idée originelle de Dieu au sujet de la formation des disciples, qui était un style de vie dans la nation, la communauté d'Israël, et qui était un flot de vie dans le cadre familial et dans le contexte de la communauté, afin d'établir ce modèle comme un contexte, un style de vie dans notre communauté. Document pour la RTVC, Dan Josué Moulouna Bekoum. Il faut donc noter qu'en plus du ministère de la parole qui est l'élément central de ce camp, plusieurs autres activités et ministères menés tout au long viennent épicer ce camp. Notre reporter Cynthia Siaka nous donne une vue panoramique de ces activités dans ce reportage. Il a pris effet à Koumé, quartier général de la CMCI, le camp biblique international des jeunes pour le compte de l'année 2020. Un événement que rien n'aurait pu empêcher, pas même la pandémie qui sévit récemment. C'est donc le 21 août que sont arrivées sur le site les premières délégations, notamment celles en provenance de Douala, de Yaoundé et de l'Ouest Cameroun. Sans représenter jusque-là, 22 délégations venues de localités camerounaises et des participants venus du Sénégal, du Tchad et de la RCA. Il ne faut cependant pas omettre que la participation en ligne est plutôt massive. Environ 13 677 personnes suivent la diffusion du camp via Internet dans 29 pays à travers le monde. Pour leur part, les participants présents à Koumé sont soumis à un programme préétabli par le comité d'organisation des camps. Il s'étend de 6h à 19h30 et inclut systématiquement les activités relatives à la recherche de Dieu, la toilette et la préparation, la retraite de 15 minutes, le petit déjeuner, la coordination, les enseignements, le travail en atelier, les repas. Le programme prévoit aussi l'enseignement et la lecture du volume de ses lèvres du professeur Zacharia Stanifomoum dans la soirée, dirigée par la sœur Henriette Barga, l'objectif étant d'amener les jeunes à connaître, à toucher, à admirer et à imiter la vie du frère Zach. Les études bibliques, quant à elles, visent à amener les participants à réaliser l'importance de la parole de Dieu et à y obéir. Il faut noter que l'un des événements marquants rendus à cette étape du camp est la descente inattendue du Saint-Esprit dans la salle où se réunissent habituellement les campeurs le soir du 24 août. Tout a commencé par des témoignages et des remises de récompenses à une sœur qui a lu sa Bible entièrement en 35 jours. Une autre qui a lu sa Bible 5 fois entre janvier et août, un frère âgé de 14 ans qui a accompli un jeûne complet de 40 jours et un jeune de 15 ans qui a lu sa Bible encore en 8 heures. Les campeurs lui ont fait un don de gel hydroalcoolique et d'une somme de 32 000 francs qu'il a entièrement remis au Seigneur sur place. Le Saint-Esprit s'est alors abattu sur les saints présents pendant une période de 2 heures et il en est ressorti 122 baptêmes dans le Saint-Esprit, 108 personnes ont reçu une nouvelle langue, 218 guérisons intérieures, 43 guérisons physiques, 27 délivrances de démons, 42 personnes ont eu des visions, 40 personnes engagées à lire la Bible, 10 fois d'ici le prochain camp, 178 personnes engagées à lire la Bible, 5 fois d'ici le prochain camp. La main du Seigneur continue de se mouvoir parmi les jeunes
pendant les séances de travail pour en finir avec le passé, dirigé par le pasteur Anon Robert Guigoumé. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour le Camp biblique international des jeunes 2020. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Les sièges de prière s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. C'est donc poussé par l'esprit et motivé par la détermination à plaire et obéir au Seigneur que la sœur Esther Conan et son équipe enchaînent depuis le début de l'année une série de sièges de prière faisant ainsi de cet aspect une partie intégrante de la vie au quartier général. Notre reporter Jacques Coutier nous donne dans ce reportage un compte rendu du 24e siège de prière, dernier en date, qui a eu lieu du 18 au 22 août dernier. Le reportage. Le 24e siège de prière de la phase 3, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, s'est tenu du 18 au 22 août 2020 à Koumé. C'est un combat de 96 heures qui a enregistré les ministres compétents de prière venus des différentes provinces spirituelles de la nation. En effet, la qualité et la quantité de prières l'en exigent puisque le frère Théodore est sur le point de sortir d'une série de voyages et de ministères dans la nation et dans la province spirituelle du quartier général. En plus, les cours de l'UMPJ pour les ministres de louange et les camps bibliques international des jeunes commence respectivement le 20 et le 21 août 2020. D'où la nécessité de continuer de voyager avec le leader de localité en localité, de centre en centre et de ministère en ministère jusqu'à la fin de cette période. Cette rencontre a donc débuté par d'abondantes actions de grâce à Dieu pour ses bienfaits en faveur de notre ministère. En effet, la visite du ministre de la Santé publique et le décret de fonctionnement de la Hope Clinic comme hôpital ont été des sujets de louange et d'adoration. Et cette période a pris environ 4 heures de temps. Ensuite, les saints ont poursuivi la prière pour les voyages du leader et son équipe dans les différents centres de l'église du quartier général. Ils ont aussi pris le temps de célébrer le Seigneur pour sa bonté et son amour dans la vie de chaque participant présent à cette rencontre, car chacun a eu l'opportunité de rendre témoignage de la main de Dieu dans sa vie ou dans sa localité. L'intercession fervente a été faite pour tous les malades dans le ministère, pour la protection de la santé physique de tous les dirigeants de l'œuvre. À cette rencontre encore, la sœur Esther a enseigné sur ce que c'est qu'un siège de prière avant de supplier chaque soldat à tenir son siège de prière personnel. Elle a aussi enseigné sur la nécessité absolue d'être disciple du Seigneur Jésus et de faire des disciples. Ceci à partir du livre du frère Zach, « Faire des disciples ». Les conditions pour être disciple ont été énumérées et enseignées. Les saints réunis ont prié pour être établis comme disciples et faire des disciples pour Jésus. Les participants ont ensuite combattu avec Dieu pour que chaque saint de la CMCI puisse vivre le message de Berthois. Le ciel a été pris d'assaut pour les camps bibliques en cours et celui à venir à Koumé, pour le cours de l'UMPJ des ministres de louange en cours à Ndoumbi. Les domaines d'intercession couverts incluent les voyages des différentes délégations, les participants, les ministres de la parole et la présence de Dieu. Évidemment, à ces sièges de prière, il y a eu la prière fervente pour le frère Théodore, pour le but de la phase 3, pour les différentes catégories de dirigeants de l'œuvre. Plusieurs messages de Dieu à notre ministère ont été lus et après chaque lecture, il y a eu des proclamations et l'intercession violente pour que Dieu puisse accomplir sa parole. Une quarantaine d'enfants fidèles au siège de prière ont participé au camp biblique. Par la grâce de Dieu, l'assistante de la sœur Esther et les restants ont pleinement pris part aux 96 heures de bataille. Le Seigneur a remporté la victoire. Les combattants ont pleinement déchargé le fardeau de cette rencontre, car la dirigeante a exprimé sa reconnaissance à Dieu et à chaque participant. Avant de chanter l'hymne des sièges de prière et la bénédiction finale, la sœur Esther a invité les vainqueurs de cette bataille pour les prochaines rencontres importantes. Il s'agit des dates du 27 au 28 août
2020 et du 5 au 9 octobre 2020 pour préparer et loger le frère Théodore et les saints dans le jeûne du ministère qui commence le 12 octobre 2020. À celui qui est assis sur le trône, la gloire et la révérence pour ce siège de prière. Dokoumé pour la RTBC, Jacques Kouetché. Durant la semaine du 14 août, le pasteur Joseph Ngandeu, dirigeant international des jeunes et des étudiants, s'est rendu dans la ville de Kribi pour booster les jeunes dans la poursuite et l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, mais aussi pour mobiliser le plus grand nombre pour les camps bibliques internationaux des jeunes et des étudiants. Un reportage signé Yacine Bekolo. Le dirigeant des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le frère Joseph Ngandeu et son équipe, ont rendu ministère aux jeunes de l'océan le week-end du 14 août 2020. Les objectifs de ce voyage étaient de mobiliser les jeunes dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz par une obéissance radicale. Le deuxième objectif était de mobiliser les jeunes à la participation massive au camp des jeunes 2020. Arrivé le 14 août 2020 au matin, lui et une équipe de 6 dirigeants ont été reçus et accueillis. Vers 15h, ils ont eu la première rencontre au centre chrétien de Kribi à Tombé, où 69 jeunes étaient présents, notamment les jeunes de Niété, les jeunes de Kampo, les jeunes de Bipindi, les jeunes de Sokapalm, les jeunes de Beauté. Ils ont été exhortés et ils sont sortis dans les lieux publics, dans les marchés, constitués en 11 équipes. Ils ont évangélisé pendant 2 heures. Comme bilan de cette sortie d'évangélisation, ils ont atteint 561 personnes avec l'évangile. 104 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. 331 traités ont été distribués. Et la sortie d'évangélisation s'est achevée vers 18h30. La nuit de prière a commencé à 22h passées. Ils ont été encouragés par le pasteur Joseph Ngandeu et elle s'est achevée à 5h du matin. Ils se sont ensuite préparés pour la campagne d'évangélisation qui avait lieu l'après-midi où 6 personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ. Après la campagne d'évangélisation, le couple Kedji a été mis à part pour la conquête des étudiants dans la ville de Kribi. Après ce send-off, le couple Kedji a reçu généreusement les dirigeants venus de Yaoundé. Loue l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ils avancent à petits pas mais sûrement. Les jeunes de la province spirituelle des universités de Maroua pressent de l'avant dans leur mouvement d'évangélisation, de conquête des âmes et d'implantation des églises. Le reportage de Francis Bekongo. La province spirituelle des universités de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, s'est illustré ces derniers temps dans le domaine de l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. En effet, sous la direction du pasteur Dagasso Étienne, ils ont prêché l'évangile et ont atteint 457 personnes avec la bonne nouvelle du salut. 222 personnes ont déjà été transférées des ténèbres à la lumière, et 337 traités évangéliques ont été distribués jusqu'ici. Ils ont pénétré 38 maisons avec l'évangile et ils sont en train de suivre 33 personnes. La cerise sur le gâteau a été une campagne d'évangélisation à Zodok-Ladéo, qui est un quartier de la ville où 92 personnes étaient présentes, parmi lesquelles 70 invités et 16 d'entre eux ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Une assemblée a été implantée sur place et la conquête continue. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz qui avance parmi les étudiants à Maroua. De Koumé, pour la RTVC, je suis Bekongo Germain Francis. Voici donc présentées à vous, chers téléspectateurs, quelques-unes des nouvelles rassemblées cette semaine. Mais nous ne saurons refermer ce journal sans mentionner le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les ministres de louange en cours au quartier général depuis le 20 août dernier. Un compte rendu détaillé de ce cours vous sera donné donc la semaine prochaine. D'ici à là, restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross, la chaîne de la Bible, pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.